nous avons reçu l'information avec une très grande joie que nous serons visités par CVK, LVD, et nous sommes vraiment dans la joie. Et depuis dimanche passé, et nous sommes en train de travailler, les chorales sont en train de faire des répétitions et le conseil local est en train de bien s'organiser pour que déjà, de par la forme, que tout soit ordonné. Et au fond aussi, nous préparons quelque chose de spécial pour que le nom de Dieu soit glorifié à travers ce dimanche spécial dont CVK nous fait l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de médias où il faut travailler à valoriser ce que nous avons. Et CVK est un moyen, CVK est un canal par lequel nous pouvons aller là où nous ne pouvons pas aller à pied, à moto, à véhicule. Donc nous pouvons utiliser et en soutenant vraiment ce canal, en priant pour ce canal et par nos biens matériels, par nos biens financiers, accompagner l'œuvre qui se fait au niveau de ce média. Dès qu'on a entendu l'information le dimanche passé, vraiment on était heureux d'avoir cette bonne nouvelle à notre égard, d'avoir vraiment pensé à l'Église apostolique, surtout de Tangain, à venir couvrir le culte. Donc vraiment, c'est une bonne chose qu'on a entendu cette information. Déjà, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de CVK. Et nous invitons vraiment les églises sœurs à emboîter le pas et à accueillir les médias, à être présents parce que c'est un canal qui rassemble beaucoup de personnes de nos jours en fait. Donc c'est un moyen par lequel on peut véhiculer facilement l'évangile et particulièrement à l'assemblée de Tangain, j'invite vraiment à nos églises sœurs d'emboîter ce pas-là, de faire pareil car c'est un moyen pour diffuser largement la parole de Dieu.